Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Donc, je suis Véronique, conseillère Tupperware et Thermomix. Et aujourd'hui, eh bien, on se retrouve pour un tuto recette. Donc, on va réaliser une petite recette express pour une entrée donc festive. On va réaliser des dômes poivrons crevettes. Vous allez voir, il faut très peu d'ingrédients, donc 300 g de crevettes, un poivron donc rouge, jaune. Moi, je pense que je vais faire un mix des deux. Du sel, du poivre, et après on fera une petite vinaigrette et on accompagnera ça de petits blinis. Donc vous allez voir, c'est vraiment une recette toute simple que vous allez pouvoir reproduire pour les fêtes de fin d'année. N'oubliez pas que si vous avez besoin de plus d'idées, vous pouvez faire un tour sur mon site www.cookedelice.com. Si vous souhaitez acquérir les produits, vous pouvez le faire directement sur la boutique en ligne. Je vous mets le lien en commentaire. Et si vous souhaitez profiter des offres Thermomix et notamment là du 20 fois sans frais, eh bien vous pouvez me contacter aussi par téléphone ou WhatsApp. Je répondrai à toutes vos questions. Mais en attendant, on se retrouve pour la recette des dômes poivrons crevettes. C'est maintenant, c'est tout de suite. Allez, c'est parti! Voilà, donc tout d'abord, on va commencer par décortiquer les crevettes. Je commence du coup par enlever la tête. Ensuite, je viens enlever donc la partie au niveau du corps et ensuite, j'ai plus qu'à tirer sur la queue. Ça se défait tout seul. Voilà, donc je fais mes 300 g de crevettes et je vous retrouve juste après. Voilà, donc les 300 g de crevettes sont faits. Je vais donc du coup couper mes poivrons. Donc, j'enlève bien sûr les pépins. Je les ai passés à l'eau donc juste avant. Voilà, donc j'enlève le centre, j'enlève les pépins et je vais prendre la moitié de chaque. Je prends ensuite mon Supersonic Chopper Extra, donc je vais mettre les lames, je vais mettre mes crevettes, donc je coupe mes poivrons en 4 et je vais tout simplement mixer, j'oublie pas le poivre, le sel, le poivre. Et ensuite, je viens mixer tout simplement la préparation. Voilà, donc je racle, bien sûr avec un couteau, hein, pas avec la spatule. Et ensuite, je vais prendre mon moule à dôme. Voilà, alors on peut positionner dans la boîte igloo. Là, moi, elle est déjà utilisée au congélateur. Donc du coup, j'ai pris une autre boîte rectangulaire. Ah oui, j'avais oublié la ciboulette, bien sûr. Donc, on cisèle quelques morceaux de ciboulette. On mélange bien. Et voilà, je viens remplir mes dômes et surtout, je tasse bien. À l'aide de la spatule, ça va tout seul. On peut prendre aussi le dos d'une cuillère hein, si on veut. Donc je remplis mes 6 alvéoles. Donc c'est vrai que c'est sympa comme entrée festive. Voilà, c'est léger, c'est frais, c'est gourmand. Vous allez voir, je suis sûre que vous allez adorer cette recette. Allez, on tasse et ensuite on va mettre au réfrigérateur pendant environ une heure. Parfait. Voilà, donc on a réalisé nos dômes poivrons crevettes et là maintenant on va réaliser les petits blinis en fait pour accompagner du coup ces dômes. Alors c'est parti pour la recette, ne partez pas, comme ça vous verrez après le résultat et le montage. Voilà, donc pour faire les blinis, je vais mettre 100 g de lait dans le bol. Ensuite, je vais ajouter donc un sachet de levure boulangère sèche. Je vais mettre une pincée de sucre. Et ensuite, je vais insérer le couvercle et le gobelet doseur. Je vais faire tourner 2 minutes à 37 degrés en vitesse 2. Voilà, c'est prêt. Donc là, je vais ajouter 15 g de beurre mou. On va ajouter un jaune d'œuf, un
Ensuite, je vais mettre 35 g de farine de sarrasin. Et 55 g de farine classique. Je vais rajouter ensuite 40 g de crème liquide. Donc moi j'ai pris de la crème entière. Je vais rajouter un petit peu de sel. Je vais ensuite insérer le couvercle et le gobelet. Et je vais faire tourner 2 minutes en mode pétrin. Voilà, j'ai plus qu'à débarrasser en fait ma préparation dans le bol pousse et je vais laisser reposer à température ambiante pendant environ 30 minutes à couvert. Pendant que ça repose, je vais nettoyer le bol, l'essuyer et insérer le fouet. Je vais ajouter mon blanc d'œuf. Une pincée de sel. Je vais insérer le couvercle et le gobelet et je vais faire tourner 4 minutes en vitesse 3,5. Voilà, les blancs en neige sont montés. Je vais les incorporer à la préparation. Regardez comme ils sont bien fermes. Parfait, les blancs en neige. Voilà, donc je racle bien et je vais venir les incorporer délicatement avec la spatule pour ne pas les casser. Voilà, on mélange en soulevant délicatement pour bien les incorporer. Voilà, ma pâte à blinis est prête. Je vais faire chauffer une poêle, donc moi c'est la poêle Chef Series Tupperware. Je prends ma petite louche et sur une poêle bien chaude, je viens déposer des disques de pâte. Donc là j'en mets 4, je les laisse dorer de chaque côté quelques minutes, ça va assez vite. Hein. Regardez-moi ça comme ils sont beaux. Voilà, je les réserve, je fais pareil pour le reste de la pâte. Parfait, regardez-moi ça. Allez, on procède au montage maintenant. Donc, je viens emporte-piécer mes blinis pour avoir quelque chose de bien rond. Ensuite, je récupère mon dôme poivron-crevette. Vous avez vu cette facilité de démoulage? Ça, c'est vraiment top là pour les fêtes. Vous allez vous régaler et c'est vraiment super facile à faire. Voilà, je cisèle un peu de ciboulette sur le dessus pour la déco. On aurait pu mettre aussi un peu de zeste de citron, mais j'en avais pas. Mais c'est une idée aussi, vous pouvez. Finalement, je ne vais pas faire de vinaigrette, je vais juste rajouter un petit filet d'huile d'olive sur le dessus et servir bien frais. Regardez-moi ça comme c'est appétissant. Je vous dis bon appétit et à très vite !